Hello. Allez, salut tout le monde, c'est Rintuchel et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de mon Let's Play 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de Hyrule Warriors Definitive Edition. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons avancé dans la forêt de Chiron. Il fallait tout simplement qu'on récupère, qu'on finisse la forêt de Chiron. Hein. Il ne manquait plus qu'à la finir. On avait bien avancé. Il ne manquait que la partie du haut et quelques trucs à la partie de droite, mais vraiment minime. Et un petit tout petit truc en bas, mais c'est tout. Dans cette vidéo, on va tenter de finir la forêt de Chiron, plus améliorer les personnages. Mais avant, on va scanner les amiibos. Voilà, avant, nous allons scanner les amiibos comme on fait à chaque fois. Donc, aléatoire, toujours, comme d'habitude. Voilà, les mobos de Toad. Obtenu un arbalète. Des arbalètes spécialisées pour protéger les cocottes. Utilisez l'attaque spéciale pour tirer en rafale ou maintenez X enfoncé après une attaque forte pour tirer des flèches explosives. Oula, pardonnez-moi, petit remonté, c'est rien. L'amiibo Zelda de Smash Bros. Obtenir rapière en platine, une épée légère comme une plume forgée grâce à une magie sacrée. Imprégnez-la d'énergie sacrée avec l'attaque spéciale et infligez des attaques plus puissantes. Donc on va scanner l'amiibo prodige. Donc c'est Urbosa. Vous avez reçu un cadeau amiibo, un rubis. Après il y a Rivali, Daruk, Urbosa, il y a Rivali, c'est l'oiseau, Daruk, c'est le gros bonhomme, Urbosa, c'est la femme, et putain, j'avais jamais y arrivé. Comment elle s'appelle l'autre? Je sais plus. Vous avez reçu un cadeau, mais bon, c'est bien, je m'en souviens plus. C'est la chaleur qui me fait oublier. Un rubis. On va scanner Daruk cette fois-ci. Vous avez reçu un cadeau amiibo, 10 cuirs de salmandile, et on va scanner l'amiibo. Putain, quel con. Ah, je vais jamais y arriver, ça appuie sur la touche alors que je ne veux pas. L'amiibo est tellement gros que ça appuie sur les touches en fait. L'amiibo Peach. What the fuck. L'amiibo Peach marié. Vous ne pouvez que savoir, c'est un 5 amiibo par jour. Pourtant, je n'ai pas scanné du Peach. Je ne comprends pas je comprends pas ce truc. Bref, amiibo Samus sans armure. On fera notre 5e amiibo du jour. Vous pouvez recevoir que 5 cadeaux amiibo par jour. 1, 2, 3. Mais je vais peut-être scanner 5 alors. Bon, on va continuer. Ben écoutez les amis, on va pas perdre de temps. Le centre d'entraînement. En utilisant le centre d'entraînement, vous pouvez augmenter les niveaux des personnages, mais leur niveau ne peut pas dépasser celui du personnage dans le niveau le plus élevé. Plus le niveau de personnage est élevé, plus le prix du centre d'entraînement est haut. D'accord, pas de soucis. C'est parti, nous allons continuer. C'est normal qu'on entend rien. Du ça, je dis rien. Hein. Parfait. Ok, nous n'entendons rien du tout. Parfait. Allez. Attendez, là, je pense que vous allez avoir un écho. Allez, let's go. On va éliminer tout ça. Nous allons aller un petit peu vers le bas parce que en bas il se passe quelques petits troubles. Voilà, enfin quelques petits. C'est pas non plus des masses. Hein. Allez hop, on va récupérer le petit matériau de monstre. Bon, en tout cas, le jeu, vous avez vu, on commence à bien avancer, on commence à bien anticiper, on perd pas le temps. Du coup, là, on va chercher ça. Là, je vais tout niquer parce que sinon, ça va être un peu compliqué par la suite. Là, je suis obligé de faire ça parce que sinon, ça va être horrible. Oh yeah.
Le petit matériau obtenu. Donc le gibdo, bon, je veux pas dire, mais le gibdo. C'est un peu ridicule quand même, hein. Je veux pas dire, mais t'es un petit peu niaze. Hein. Allez. Parfait. Nous avons tout éliminé ici, puis nous allons directement partir par là, parce qu'il y a encore pas mal de petites choses à faire. Nous avons déjà récupéré le réceptacle de cœur, donc il ne manque que le quart de cœur avec Impa, qu'on récupérera, bien entendu, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, voilà, le jeu est vraiment... On avance bien, on avance bien. Il faut vraiment qu'on vérifie, qu'on surveille un peu le vénérable arbre mojo avant qu'il prend, avant qu'on se tape un autre game over. Vu que là, le jeu, c'est 60 FPS, donc du coup, l'arbre mojo baisse sa vie un petit peu trop rapidement, si vous voyez bien ce que je veux dire. Du coup, on va aller voir, voici le champ de bataille, on va aller voir. Bon, ça va, le vénérable arbre mojo, il tient vraiment bien la route. Hein. Il tient bien, donc c'est parfait. Donc nous allons directement aller... massacrer l'herbe qui se trouve sur notre surface pour tout simplement avoir le matériau, enfin avoir le petit toffé à la fin. Parfait. Alors. Ça a l'air d'être bon, c'est parfait. Cercle. Maintenant, on va aller au cercle magique pour pouvoir faire apparaître la fontaine des fées, enfin une fée en tout cas, pour pouvoir éteindre l'arbre mojo. Parce que je vous avoue que là, il est en train de prendre cher le pauvre. Donc, il ne manque que deux forts avant l'objectif final. Non, il manque un fort puis l'objectif final en fait. Donc du coup, voilà, ça sera après il va y avoir les statistiques avec les personnages et tout. Parfait. Donc on n'oublie pas, c'est Impa qui ouvre le coffre, bien entendu, il faut pas l'oublier. Allez. Bon, re tout le monde, alors voilà, après une heure d'inactivité pour moi, donc pour vous ça aurait duré une seconde. Alors on s'était arrêté avant le fort. Alors je suis désolé les amis, je devrais être attentif un petit peu à ce qui m'entoure à côté parce que j'ai mon frère qui observe une éclipse, une genre d'éclipse, non c'est pas une éclipse, c'est un truc qui se passe dans le ciel là. En tout cas il observe les planètes, mais il faut que je reste un petit peu attentif parce que j'ai très très peur qu'il lui arrive quoi que ce soit. Du coup voilà, il faut que je reste attentif. Je vais alors pas oublier qu'il faut l'ouvrir avec Impa bien entendu. Du coup on va prendre Impa. Et on va directement ouvrir le coffre. Voilà. Donc comme ça, on va récupérer le quart de cœur avec Impa. Alors, je suis désolé si vous attendez le ventilateur, les amis. C'est que je vous pouvais pas savoir. On est en vague de chaleur. J'ai tellement chaud. Du coup, je suis obligé de mettre le ventilo. Je suis désolé, les amis. Je supporte pas la chaleur. Et deux, je peux pas la supporter, la chaleur. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Ça vous en 4 pour augmenter votre énergie vitale d'un cœur. C'est comme ça, on a tous des craintes. Et moi, c'est ça, ma crainte. La plus grande, c'est que je ne peux pas supporter la chaleur. Voilà. C'est comme ça, hein. Il y a des gens que ça sera autre chose, mais moi malheureusement, c'est comme ça et pas autrement. Donc on va battre, ça sera base du mage, et là ça sera
Basumage. Du coup. En tout cas, voilà, en tout cas, le jeu, ça se passe très bien pour le moment. Alors, il manquait plus que 10 minutes. Enfin, il manquait plus que 10 minutes, en fait. Donc, voilà. Et voilà, nous avons notre, on va dire notre nouveau boss, qui est tout simplement, je pense que vous l'avez tous deviné, hein, je pense que vous l'avez tous remarqué, Goma, Cyclope, Démoniaque, Cuirassé. Voilà, donc c'est un très très bon boss. Donc du coup, ZR, putain je suis con, du coup je m'en souviens plus des boutons. Aïe aïe aïe, bon. D'accord. Parfait. Allez, maintenant, il faut tout niquer. Le preneur de fort. Les preneurs de fort sont des ennemis spécialisés dans la prise des rapides d'effort. Si vous trouvez un preneur de fort en route vers un fort, il est recommandé de le vaincre le plus rapidement possible. C'est ce qu'on va faire. D'abord, on va juste l'infliger des gros dégâts. Donc du coup, on va vite battre le preneur de fort. On va battre les 4 d'ailleurs, parce que sinon ça a posé pas mal de petits problèmes. Ah merde, ah non. D'accord. Je préfère tous les battre quand même, parce que je sais que ça peut poser problème. Hein. En général, les preneurs de fort posent problème. Donc du coup, là-bas, il y en a un. Donc du coup, en fait c'est leur présence en gros qui permettent de prendre le fort. Ah là il va se téléporter où? À l'arbre Mojo, d'accord. Du coup ben on va y aller, on va juste prendre, attendez. Alors, bon. Parfait. Un, deux, trois, quatre, cinq. Nickel. Donc on va directement prendre le... Enfin, on va directement battre les preneurs de fort parce que sinon ça va poser des problèmes. Ok, ils sont trois. Oh, ils m'ont loupé. Allez, putain. Ah là 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 là. C'est problématique, ça. Voilà. Du coup, on va retourner au milieu pour battre... pour avoir les... Comment ça s'appelle? On va retourner au milieu pour avoir le... Il est où le Goma? Éliminer Goma, je l'ai plus sur la carte. Bref, on va aller prendre le chef de poste et puis après on va rebattre Goma. Mais je sais pas où il est Goma. Elle est où, Goma? Donc, nous avons fait le grand ménage. Allez. Aouh. Il fait quoi, lui? Mais il fait quoi? Parfait. Allez.
Je sais pas si je vais l'avoir. Non, je vais pas l'avoir. Il est compliqué quand même. Il est très compliqué. Yes! Allez, on l'a. On l'a battu. Oh putain. Attends. Attendez. Attendez. Bon, l'épisode est une catastrophe, les amis. Ah, putain, de l'eau fraîche, ça fait du bien. Ah, de l'eau, enfin. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Bon, en plus, c'est vrai, il a pas tort, le gars. Certes, on dit qu'il est perché et tout, mais au final, tu vois, vous allez voir quand il va avoir raison. Le mec, il va juste tous vraiment fermer le clapet à tout le monde. C'est comme si le Pierre du Riff. Bon, on y croit pas. Personnellement, il y a des trucs qui peuvent être vrais, des trucs qui peuvent être faux, très faux. Mais quand un truc vrai va être vraiment prouvé et que ça va arriver, on va tous se retrouver con à se dire ah ben merde, c'était vrai. Ah merde, il avait raison. Du coup, tout le monde va faire son limite, son faux cul et dire waouh, t'es magicien, tu fais quoi et tout, tu vois. C'est pour ça que même les ovnis, il faut y croire, parce que se dire, enfin, en tout cas, il faut y croire. Il faut laisser une possibilité que ça existe, même si peut-être vous n'êtes pas dans cette condition-là, pour dire que par exemple dans le futur, on va pouvoir construire ce genre d'engin, et que quand il va y en avoir un, et quand on va pouvoir bien être développé, personnellement, vous allez tous être con en fait. Vous allez tous vous rendre con, parce que vous allez dire ah ben au début, ben on disait que ça n'existait pas, ben maintenant ça existe. Vous avez un truc comme ça, quoi. Imaginez, c'est comme nous, les voitures pour le Moyen Âge. Au Moyen Âge, il n'y avait pas de voiture. Donc du coup, c'est comme les voitures pour le Moyen Âge. Moyen Âge, il devrait exister, bah ça n'existe pas, un truc qui va à 130 km/h, à 200 ou à 300 ou à 400. Même un TGV, un truc qui va à 4... Attends, à 500 km/h, ça n'existe pas. Bah si, ça existe. Ça existe. Je suis désolé de boire en plein épisode, des amis, vous savez pas à quel point il faut s'hydrater. 3 litres par jour, il faut boire. Et en plus, je suis en extrême chaleur, là. On a du 37 à 42 degrés, hein, je vous le dis, là où j'habite, et c'est très compliqué. À l'ombre, hein, bien entendu, hein. Hein, pas au soleil, hein, à l'ombre. Donc imaginez pas au soleil. Hein, le 42 degrés, ça se transforme en 45 à 46. Hein. Mon mignon, viens ici, mon amour. Pas besoin de miauler. Pourquoi il miaule? Pourtant, c'est ouvert la porte. Elle est ouverte la porte, hein. Je comprends pas. Mignon, viens ici, mon amour, viens. Allez. Pourquoi il miaule? En fait, si je sais pourquoi il miaule, parce qu'il aime pas qu'on le laisse dans le noir. En fait, c'est un chat qui, en gros, vous avez vu, on est obligé d'éteindre la lumière pour économiser de l'électricité. Et surtout qu'en haut, dans le hall, ben, il n'y a pas de lumière du tout. Donc en gros, pour monter et descendre, il préfère être allumé où il y a quelqu'un. Mignon, mais oh là là, qu'est-ce qu'il a à miauler? Mignon, allez. Allez, je te vois d'ici en plus. C'est ça le pire, je le vois d'ici. Ah, il est là. Il est très mignon, je sais pas pourquoi. Et nos chats, même tous nos chats, ont peur du noir. Ils se déplacent. En gros, pour aller dans des. Par exemple, ils se déplacent pas si c'est si tout noir. Toujours un truc. C'est bizarre ça. D'ailleurs on apprend dans cette cinématique que voilà, on apprend un peu l'aventure de Sia, comment ça s'est passé, comment elle a pu réussir à faire ce plan diabolique, avec qui. Là on apprend plein de choses sur le scénario. Et donc voilà quoi. Donc on a vraiment 5 armes obtenues. Une lyre de la déesse, 80 points de dégâts, attaque forte 2. Os massif de dragon, 96 de dégâts, élément feu. Épée des démons, 104 de dégâts, attaque forte 2. Épée gravée 96 de dégâts, attaque fort 3, et épée gravée 88 de dégâts, requin 5000
ennemis tués pour obtenir la compétence. Une cristalline de Gomba, 3 lourdes épées de Jibdo, 20 bandelettes de Jibdo et 32 tôles de monstres. Et nous avons obtenu notre troisième morceau d'illustration, les amis. Au moins 3 morceaux d'illustration récoltés. Stand amélioré. Niveau suivant, 12 morceaux. Les potions et les facons seront plus efficaces. Les élix à concocter sont plus nombreux. Médaille obtenue. Un enfer de douleur. 100 ennemis ou plus éliminés par coup fatal en une bataille. Ouais! Vous pouvez à présent utiliser les services de ferrailleur. Vous pouvez y transférer les capacités d'une arme ou une autre en tronc, marché ou couvert avec R. Zelda peut à présent augmenter son palais d'attaque